10h40, c'est votre matinale info sur Europe 1. Avec la revue de presse à présent de Géraldine Vassner. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, l'été compliqué de certains Parisiens quand ils se mettent au vert. Et on pensait avoir atteint une sorte de sommet avec ces plaintes loufoques contre le chant des coqs, le bruit des tracteurs, des clochers, mais non. Le journal Centre Presse nous prouve ce matin qu'on peut aller plus loin. Des touristes parisiens viennent de porter plainte contre une Corneille, <laughs> ça se passe à Coussel-les-Bois dans la Vienne, où le couple a loué un gîte pour les vacances et dans le jardin vit l'oiseau qui aurait donc agressé les vacanciers. Prise de peur, madame est tombée, s'est retrouvée à l'hôpital et à sa sortie direction la gendarmerie, où le couple a déposé une main courante. Les faits sont consignés dans le procès verbal. Puis ils sont allés voir le maire, sommet de prendre un arrêté pour... Éliminer la corneille. L'édile en est tombé de sa chaise, comme les propriétaires du gîte. Cette corneille habite dans le jardin, elle a un compartiment familier, disent-ils. Non! On l'a dressé à attaquer, jure la, vatan... la vacancière, qui soutient qu'elle s'en est prise au pneu de la voiture. On n'ose plus sortir, dit-elle, l'ombre d'Hitchcock plane sur Cousset les Bois. Pour, po... pour calmer tout le monde, le maire a finalement décidé de capturer l'oiseau pour l'envoyer dans un centre de soins à l'abri des hommes, et les touristes vont être relogés dans un endroit où les volatiles sont bien élevés, ne chantent pas, ne volent pas. Bref, il faudra quand même s'interroger un jour sur ce stress citadin qui génère des envies de tuer. <laughs> Très bien. Bah, on va effectivement s'interroger. Une enquête beaucoup plus sérieuse intéresse les journaux à présent. Celle sur le système Epstein et son volet français. Mais jusqu'où ira l'affaire Epstein se demande le parisien qui, comme libération, a lâché ses lignées et récolté une moisson de faits troublants. L'agenda français du sulfureux financier, retrouvé mort dans sa cellule samedi, pourrait être beaucoup plus épais qu'on ne le pensait car il possédait plusieurs appartements à Paris où il vivait une partie de l'année. Il y a passé près de quatre mois depuis début 2018, Calcul Libération, qui a remonté la piste de ses attaches et enquêté sur l'un des acteurs clés de ce système apparent de trafic sexuel de mineurs, le français Jean-Luc Brunel, ancien patron d'une agence de mannequins, lui-même visé par plusieurs accusations. Les témoignages recueillis par le journal de jeunes femmes qui l'auraient abusé dès les années 90 sont glaçants, comme l'est la chape de plomb qui semble les avoir recouverts très longtemps. Si aucune enquête n'est encore ouverte, la police française collabore avec les enquêteurs américains et le Parisien résume en quelques mots les semaines qui s'annoncent. Loin d'éteindre l'action publique, la mort du financier en libérant la parole des gens qui l'ont contoyé a provoqué un embrasement planétaire. Un embrasement également à Hong Kong où les rassemblements ont pris un tour violent. Oui, les, brides, les bruits de bottes aux portes du territoire où des blindés chinois se rassemblent font craindre une escalade désastreuse. C'est que le contexte n'est plus le même que lors de la révolution des parapluies il y a cinq ans. Quand des militants pro-démocratie avaient occupé le centre de Hong Kong. Aujourd'hui, le régime du président Xi s'est considérablement raidi, relève Nicolas Barré dans Les Échos. L'économie a perdu son dynamisme. La crise va-t-elle déboucher sur un nouveau Tiananmen se demande Olivier Berger dans La Voix du Nord. Un bain de sang ou, plus probablement, sur la prise en étau des acteurs euh, importants du territoire. Le journal Le Monde envoie euh, déjà les signes. Le directeur général d'une compagnie aérienne qui soutenait jusqu'à présent euh, ses personnels grévistes les a lâchés lundi, les menaçant de licenciement euh, s'ils manifestaient. On s'achemine sans doute vers une reprise en main musclée, mais sans le côté spectaculaire de chars contre la foule, estime Patrick Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. De toute façon, les Occidentaux. N'iront pas se battre pour Hong Kong, écrit-il, et ça, c'est une réalité bien concrète. Oui, et la France, notamment, reste très, très discrète concentré sur ses propres problèmes qui s'empilent inexorablement en attendant la rentrée et le débat budgétaire. Neuf mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, une étude de l'OFCE que publie Les Echos montre que le sentiment d'injustice fiscale reste ancré et le rejet de l'impôt plus marqué dans le monde rural auprès des jeunes et chez les gens moins diplômés, bref, chez ceux qui n'ont pas le sentiment de bénéficier autant que les autres des investissements publics. Attention au mirage, donc, prévient. Laurent Baudin dans l'Alsace, ce n'est pas parce que les rentrées fiscales ont été un peu plus importantes que prévues l'an dernier euh, qu'il faut déboucher le champagne, l'État continue de vivre à crédit et les Français d'attendre des résultats. Et l'opinion de retourner le couteau dans la plaie dans un édito au vitriol de Rémi Godot sur la dette fantôme de la France. C'est 4 300 milliards qui s'ajoutent à la dette officielle de 2 milliards d'euros et qui englobe des dépenses qu'on ne comptabilise pas mais, mais qu'il faudra un jour payer les retraites des fonctionnaires, notamment un débat explosif à la veille de la réforme attendue à l'automne. Et pour terminer, Géraldine, vous nous donnez des nouvelles d'Alain Delon. Oui, le samouraï victime d'un AVC cet été est en convalescence, mais alors que la presse française est à ses trousses, il se repose tranquillement à deux pas de son domicile à Genève. Un journaliste du titre suisse l'illustré Arnaud Bédard l'a retrouvé à la clinique privée des Grands Jettes où il reprend doucement des forces depuis le 31 juillet. Il souffre encore de de problèmes respiratoires, mais sa fille le visite tous les jours et sa famille espère pouvoir bientôt l'emmener vers les montagnes, dans le Comte-Canton du Valais, un lieu que Lino Ventura lui avait fait découvrir et qu'il affectionne particulièrement et où il brûle, semble-t-il, de reprendre ses projets.